Bienvenue à vous sur Damas Télé. Si c'est pour vous la première fois d'être à cette chaîne, nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner et d'activer le son de la notification. Le mois de mars s'annonce chaud en Afrique. Les matchs comptant pour le barrage du Mondial Qatar 2022. À date du 24 et 29 mars. Le Sénégal se contente bien de sa première CAN remportée devant le pharaon d'Égypte. Mais à savoir, l'Égypte ne voudra pas tout perdre. Mohamed Salah ne voudra pas aussi tout perdre au profit de son coéquipier de Liverpool, Sadio Mané. L'Égypte jouera le tout pour le tout et les Lions du Sénégal auront un mental fort pour leur finale historique face à l'Égypte. Dans ces finales Cannes-Cameroun 2021 remportées. Les Cameroun blessés lors du Cannes 2021 organisé au pays, écartés au niveau de demi-finale par les pharaons d'Égypte. Malgré leur réussite aux 3e place de la Cannes, les Lions sont toujours affamés. En regardant leur performance, le Cameroun sera face au Fennec d'Algérie. Avec une mauvaise performance lors de la CAN au Cameroun, Riyad Mahrez ne voudra pas tout perdre cette année. Ça s'annonce chaud. De l'autre côté, le Mali s'opposera à la Tunisie. Le Mali, une équipe solide défensivement. Ils peuvent créer la différence à tout moment. Le Mali sera face à une équipe joueuse et expérimentée de la Tunisie. La Tunisie, avec une performance moyenne lors de la CAN Cameroun 2021. La Tunisie doit faire beaucoup attention avec le Mali, car elle peut créer la différence en tout moment. Le Mali reste la meilleure défense des éliminatoires mondiales Qatar 2022, zone Afrique. Maroc sera face au léopard de la RDC. Sans doute, sur papier, les Lions de la classe sont supérieurs et pourront dominer les deux rencontres. Mais alors, attention, les Léopards sont imprévisibles, une équipe qui ne cesse pas de surprendre. Avec les renforts de Christopher Nkunku, la RDC peut créer la sensation. Ghana-Nigeria. Un match qui se jouera au match retour, en qui le Nigeria dominera le jeu, mais le football est un jeu de surprises. Vive le football africain, que le meilleur gagne.